En fait, ça fait un moment que je travaille sur tout un tas de choses. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à travailler les langages d'autres instruments, en fait. J'ai toujours été super inspiré, enfin inspiré, je ne sais pas. En tout cas, influencé, c'est sûr, par tous les guitaristes que j'ai toujours écoutés. Finalement, je n'ai pas beaucoup été influencé tant que ça par les saxophonistes. Voilà, j'ai tout de suite écouté McLaughlin, j'ai tout de suite écouté Alan Holworth, j'ai tout de suite écouté Metheny. Voilà, ça m'a semblé voilà, un super langage qui était développé là. Et donc, en fait. Donc ces gens-là m'interpellent, quoi. J'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer comme eux, en fait. Dans quelle mesure, effectivement, on peut prendre un soliste comme ça et puis s'en inspirer? Bah, c'est peut-être ce que je vais essayer de faire comprendre très rapidement. Enfin, en tout cas, vous l'avez déjà compris, mais en tout cas, moi, comment je bosse et comment j'aborde ça. Voilà, donc j'étais pas parti bien loin, ceci dit. J'ai super bossé, hein. Alors si vous voulez en voir le résultat et en profiter, parce que je fais ça pour partager, évidemment, faut aller sur mon blog, le blogspot dominiquechevier.blogspot.fr, quelque chose comme ça. Je vais remettre le titre ici, là, l'adresse du site. J'ai fait pas mal de relevés, j'ai recherché pas mal de choses, j'ai aussi piqué pas mal de relevés, enfin en tout cas piqué. Partager pas mal de relevés que les autres ont fait. Il faut savoir qu'à chaque fois que je trouve de la doc là-dessus, à chaque fois qu'il y a des gens qui font des relevés, je me prive pas de les partager parce que finalement c'est pour ça qu'on le fait. Mais en citant le nom et la source, ce qui est plutôt un échange de bons procédés. Voilà. Entre-temps, il se trouve que Alan Holworth est décédé. Voilà. Donc. J'avais pas trop envie de me replonger là-dedans, mais là, voilà. Finalement, je vais vous raconter voilà, comment finalement j'ai envie, moi, que le son. Que ce son-là, je le retrouve dans mes impros. Comment ils font? Pourquoi ça sonne comme ça? Pourquoi effectivement, ouais, c'est super au piano, il y a des super envolées, il y a des super voicings, c'est l'instrument roi, tout ça. Mais pourquoi, quand il y a des fois deux accords de plaqué sur une guitare, ça me. Wow. Enfin, je trouve que ça ouvre monstrueux. Voilà, j'ai plus baigné dans cet univers-là que dans l'univers des pianistes. Ça m'a fait plus rêver. Donc voilà, Holworth. Comment je me sers, moi, par exemple, de son fameux jeu et de sa fameuse façon de placer les trucs pour retrouver ça dans le saxophone. Là, on va couper et puis je reprendrai tout à l'heure. Donc, en fait, les premiers accords que je jouais tout à l'heure, c'était les premiers accords de The Sixteen Men of Thane de Alan Holworth. Ouais, j'écoute un truc comme ça, moi, ça me. Ouais, il se passe quoi là? Putain, c'est vachement. Ouais, super. Je veux retrouver ça. Au saxophone. Bon, alors évidemment, première chose, soit on le joue, soit on le relève, soit on prend juste la partition, puis on regarde comment c'est fait, et en tout cas, on retranscrit. C'est ce que je fais, pratiquement dès le départ, au saxophone. Donc, on coupe. Donc voilà, je me fournis les relevés. Pour ce qui est d'Alan Holworth, il y a deux sites. Enfin là, il y a un site de Jérémy Poparade, que je vais mettre en lien, mais. Voilà, qui s'appelle poparade.com. Il y a plein de relevés d'Alan Holworth. Et donc, je prends ça. Il propose des trucs, c'est super. Il les propose en ut. Il propose les voicings, hein. Guitare. Il propose en ut, en si bémol, en mi bémol. Voilà.
Donc moi je prends ça, voilà, la partoche, et puis vas-y, roule ma poule, hein. Donc on déchiffre comme soit à la guitare, soit si on n'est pas guitariste, on peut le jouer au piano. Et par exemple, on voit marqué, alors voilà, des accords qui sont notés et on les joue. Ça qui serait proposé comme un ré sus 2 basse fa dièse. Oh, là je parle en si bémol, hein. Et puis l'autre qui serait noté comme un do sus 2 basse mi. Basse mi et ensuite le voicing au-dessus. Bon, alors de toute évidence, on est loin des voicings habituels. Sus 2, sus 4, là après on reviendra là-dessus, mais bah voilà, va falloir que je bosse ça, quoi. Hein? À trouver. Donc soit je le bosse de l'oreille en oreille, je me mets dans l'ambiance, je bosse des trucs comme ça, soit je suis super structuré, hein, ça dépend des semaines. Si j'ai le temps, j'ai pas le temps. Si je suis super structuré, ben je regarde le principe. Bon alors par exemple, voilà, ça c'est pour le do sus 2. Pour moi, il y a 12 demi-tons, donc je vais me faire des systématiques, je vais réécrire. Alors, soit je le fais d'oreille, soit si j'en suis pas là et qu'il faut que j'écrive, ben j'écris et je vais écrire. Do, sus 2, po, po, do, di, do, do, do. Do, sus 2. Ré, sus 2, to, po, do, pa, do, do, do. Mi, po, po, do, pa, do, do, po. Et je me le fais soit en cycle de quinte, je fais d'abord do, fa, si bémol, mi, la, ré, sol, si, mi, ou alors do dièse, ré dièse, mi, fa dièse. Je me le transpose comme je veux, en tout cas, c'est histoire de me le mettre dans les doigts. Et voilà comment je vais me créer des exercices qui, finalement, prenant le voicing des guitaristes, vont sûrement, j'espère en tout cas, servir d'ossature à une future impro. Non pas que je vais jouer tout le temps. Qui serait trop systématique, mais forcément, en y mettant des notes de passage. Je vais me servir de cette structure du voicing comme d'un squelette pour structurer mon armo. Pour structurer mon armo, ça structure mon armo, mais pour structurer ma voix, la voix que je vais développer, ma voix de chorus en fait, la ligne mélodique que je vais développer. Voilà en gros comment, à partir d'un voicing de guitare, je me sers de ça pour développer des points d'appui et des repères qui vont me servir à développer jouer une ligne mélodique d'impro qui, a priori, puisqu'elle va être basée sur une sorte de squelette à la Allworth, devrait sonner comme un truc un peu à la Allworth. En tout cas, ça va sonner comme du Dominique Chevier quand je vais le jouer, ça va sonner comme vous quand vous allez le jouer, mais en tout cas, il va y avoir sûrement cette caractéristique qui va faire que je vais pas chorusser comme tout le monde, que je vais pas chorusser comme en reprenant les ineffables, toujours les mêmes voicings que tout le monde fait tout le temps. Là, je prends Allworth. On peut prendre tous les guitaristes. Et comme en fait, il y a vraiment très loin de
sa façon de faire les voicings et ma façon de chorusser, je m'en imprègne et ça va donner une espèce de troisième truc. Mais vous, vous prenez les voicings d'Allworth avec votre connaissance et vos caractéristiques et ça va donner un troisième truc qui va être différent de ce que je vais développer moi. Le but, c'est bien non pas de trouver des recettes toutes faites, toutes faciles. Enfin, d'abord, il n'y a rien de facile. Mais des recettes toutes faites qui font qu'après, tout le monde choruse tout le temps pareil. Et qu'au bout du deuxième morceau, et peut-être même des fois au bout de la deuxième grille, on se fait un peu suer. Ben là, non, ça va ouvrir, ça va ouvrir, ça va ouvrir. On ouvre la fenêtre qu'on respire un peu, on disait. Hein. Ben, c'est ça. Ou ouvre l'armo, ou ouvre, ouvre, prenez ce que vous voulez, mais ouvrez. Et libérez-vous de cette espèce de truc qu'on a perdu. Je pèse mes mots. C'est bien que le jazz soit rentré au conservatoire, mais c'est pas là qu'il va continuer à vivre. Il est en état de survie, il est en conservation, il est pas dans le formol. Il est. On prend soin de lui, mais. Ouais, c'est un peu comme. Voilà, il est un peu domestiqué, hein. Alors, mettons un peu de sauvagerie là-dedans, et puis essayons de faire ce qu'on peut, parce que on a juste envie de s'amuser, en fait. Bye, à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao. Ciao. Ça marche pas. La deuxième fois, ça va marcher. Ciao.